C'est une personne qui est arrivée en 2016 sur le territoire national, en passant par l'Espagne avec un document espagnol. Il a eu un enfant en France en 2019, et donc à ce titre, il a eu un titre de séjour qu'on appelle provisoire. Il est resté sur le territoire national et il n'est pas connu des services De l'antiterrorisme. De l'antiterrorisme, ni des services étrangers, à notre connaissance. Des premiers éléments dont nous disposons, nous pouvons considérer que nous avons échappé à un drame absolu. D'abord parce que le commandant de la gendarmerie nous le disait, les premiers éléments, notamment de vidéosurveillance, l'assaillant était extrêmement déterminé et que si la synagogue avait été remplie de fidèles à ce moment-là, si des personnes étaient descendues dans les premières minutes de l'immeuble, probablement qu'il y aurait eu des victimes humaines.